Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois, sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyens Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 82, la question de l'égalité des droits femmes-hommes. C'est le travail dans chaque département d'une délégation spéciale. Dans le journal, des ministres en Isère, un label Cité éducative pour 3 collèges et 22 écoles à Grenoble et Échirolles, et également une campagne pour améliorer la couverture vaccinale. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Ce fléau provoque donc chaque année plus d'une centaine de décès, auxquels il faut ajouter 230 000 femmes victimes de violences au sein de leur couple. Et puis plus généralement, les inégalités entre hommes et femmes ne reculent que très doucement, que ce soit dans la vie professionnelle, économique ou sociale. Dans chaque département, des délégués aux droits des femmes ont donc été nommés. En Isère, il s'agit d'Isabelle Jaillet-Deton. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une délégation départementale qui est créée au sein des DDCS. Pas spécifiquement, bien souvent au sein des DDCS. Donc moi, je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Effectivement, je suis positionnée à la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale. Mais le réseau droits des femmes au niveau national donc, comprend une administration centrale à Paris, donc avec la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Dans chaque région, nous avons une direction régionale aux droits des femmes avec une ou un directeur aux droits des femmes au niveau régional et puis une équipe de 3 personnes. Et dans chaque département, on a un ou une déléguée départementale aux droits des femmes qui est positionnée ou en DDCS ou en préfecture selon les régions et les départements. Donc voilà pour la décentralisation de la mission. Est-ce que je dois exclusivement parler de délégués régionaux ou est-ce qu'il y a des délégués régionaux ? Alors il y a des hommes aussi hein, qui occupent des fonctions de délégué régional et de délégué départemental aux droits des femmes. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore la parité au sein des équipes droits des femmes, mais je dirais qu'il y a à peu près actuellement 10% d'hommes qui occupent ces fonctions. Donc on vient aussi peu à peu à combler les inégalités. Quelles sont les missions, du coup, vos missions à vous au niveau départemental ? Donc moi, sur le territoire du département de l'Isère, en fait, j'impulse et je coordonne la politique interministérielle à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est des domaines qui sont très vastes, puisque j'interviens à la fois dans l'égalité dans le sport, mais aussi dans la culture, tout ce qui concerne l'égalité professionnelle. Et puis donc il y a une partie de mes missions qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre la prostitution. Alors bon, lutte contre les violences, accès aux droits, égalité plus générale, on va évidemment en parler. On va s'arrêter d'abord sur les violences faites aux femmes. Je le disais, le chiffre est quand même, c'est un fléau, hein, c'est le terme que j'utilisais. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Oui, puis donc là en 2019, on a des chiffres qui pour l'instant sont pas très probants aussi, puisque ce serait une femme tous les 2 jours et demi, voire tous les 2 jours. Donc effectivement, c'est un problème national dont tout à chacun doit se saisir. Et le gouvernement est très mobilisé pour mettre en place des actions, ce qu'il fait déjà depuis un certain temps, mais de renforcer les actions mises en place pour lutter contre ce fléau. On est en plein Grenelle, hein, cette vaste réflexion sur la question. Oui. Donc le 3 septembre dernier a été lancé le Grenelle contre les violences conjugales. Donc il a été lancé à Paris par le Premier ministre et la secrétaire d'État à l'égalité. Et il a été demandé dans chaque département, à chaque préfet, d'organiser des réunions de travail avec les acteurs qui luttent contre les violences faites aux femmes pour qu'il y ait une concertation entre ces acteurs et que l'on puisse faire remonter des recommandations au gouvernement. Puisque le gouvernement, donc on l'a vu et entendu dans la presse, a fait déjà des annonces hein, le 3 septembre avec des mesures phares comme la création de places d'hébergement d'urgence supplémentaires ou la mise en place du bracelet électronique par exemple pour les auteurs de violences. Mais toutes ces concertations locales, toutes les remontées qui seront faites au gouvernement vont également amener des mesures qui seront prises par le gouvernement et puis vont aussi enrichir le futur plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui sera présenté le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors j'évoquais le nombre de décès chaque année, hein, plus d'une centaine. Comment se porte l'Isère ? L'Isère est concernée ? Oui, bien sûr, l'Isère est concernée comme l'ensemble des départements. Alors, je dirais que les chiffres varient d'une année à l'autre.
c'est un peu aléatoire. Donc l'année dernière, nous avons eu une femme morte sous les coups de son conjoint. L'année d'avant, il me semble qu'il y en a eu 3. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui varient d'une année sur l'autre et des fois qui nous laissent un peu désemparés malgré tout ce que nous faisons et tous les dispositifs qui sont mis en place au niveau du département pour agir contre ces violences. On a toujours des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et malgré notamment les campagnes de sensibilisation et de prévention, de nombreuses campagnes ces derniers mois pour lutter contre les violences, pour inciter les victimes à sortir du silence et aussi les témoins à réagir, interpeller aussi les agresseurs éventuels. Regardez ce clip. J'ai choisi ce clip précisément parce qu'on voit bien l'étendue de ce que peut être une agression, une violence faite aux femmes. Oui, effectivement, on distingue souvent les agressions aux violences. C'est un panel très étendu qui va du sifflement dans la rue à une main aux fesses, à des coups portés à une femme, à un viol. Donc effectivement, on a un panel très, très large. Et ce qui est intéressant dans ce clip, c'est de voir justement que la justice condamne ces violences sexistes et sexuelles, qu'elles soient un simple sifflement ou un viol. Et voilà, c'est une affaire aussi de chacun de se saisir de ce phénomène et d'interagir et d'être concerné par... Soit victime ou témoin, ces actions, qu'elles soient du quotidien ou plus graves, on va dire, même si ce n'est pas le mot qui convient, doivent donner lieu à des signalements, à des plaintes. Ce n'est pas toujours facile de porter plainte. Non, ce n'est pas toujours facile. Quand on se forme sur les violences faites aux femmes, on se rend compte effectivement de la difficulté qu'ont les femmes à porter plainte, à partir de chez elles malgré les violences, parce qu'il y a un phénomène d'emprise qui s'instaure petit à petit sur ces femmes. Et du coup, c'est important justement que tous les professionnels qui ont à repérer et à prendre en charge des femmes victimes de violences soient formés pour comprendre les mécanismes qu'ont ces femmes victimes de violences. Et c'est aussi un des axes de travail sur lesquels j'œuvre. Oui, c'est une de vos actions au quotidien. On parlait de coordonner toute une chaîne de partenaires. Les policiers, les gendarmes, les magistrats doivent être formés à entendre les victimes. Tout à fait. Alors donc, moi, en Isère, ce que j'essaye de faire, c'est de créer des groupes de travail interprofessionnels dans le cadre des CISPD, donc qui sont des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, dans lesquels il y a un axe prévention et lutte contre les violences faites aux femmes, pour qu'en fait, dans chaque territoire, les acteurs se connaissent, parce qu'on se rend compte que l'interconnaissance entre les acteurs est très importante pour mieux travailler ensemble, pour qu'on ait une culture, une formation commune aussi sur la thématique des violences, et puis pour créer des outils s'il y en a besoin. Donc cette année, en partenariat avec le Conseil départemental, l'État et le département financent la formation de ces professionnels, de ces groupes de travail. Et donc on va former tous les professionnels de tous ces groupes de travail dans l'ensemble du département de l'Isère pour que chacun ait la même vision et la même culture sur les violences faites aux femmes. Et à côté de ça, il faut aussi former les forces de l'ordre, les magistrats. Donc on lance aussi l'État lance aussi un plan de formation à destination de professionnels plus précisément,
ou ça peut être aussi les professionnels de santé. Et cette année, nous allons former, donc c'est l'association Rialto Issue de Secours qui va former les gendarmes. Il y aura une session à Grenoble et une session à Bourgoin. Et on le disait, hein, ces fléaux sont l'affaire de tous, les victimes, mais aussi les témoins, qu'on soit témoin d'une agression violente ou de simples gestes déplacés. C'est un message aussi à faire passer. Agir, c'est parfois faire un simple geste. Voilà, éviter qu'une situation ne dégénère, c'est parfois très simple, ça tient parfois au détail, hein, mais c'est un détail important. Oui, effectivement, donc on essaye aussi de faire de la prévention envers tout à chacun, donc avec les jeunes en milieu scolaire ou extrascolaire, ou dans le domaine aussi du travail, je veux dire, tout ce qui est harcèlement, violences sexistes et sexuelles sont interdites par la loi, donc faire de la prévention, et puis, amener tout à chacun à réagir quand il est confronté à des situations ou de harcèlement sexiste ou de violence sexiste ou sexuelle. Donc, par exemple, on mène des actions avec des associations sur le harcèlement de rue pour interpeller chaque citoyen, chaque citoyenne sur la question et leur faire comprendre que, des fois, un petit geste suffit pour aider les victimes. Un mot du 3919, c'est ce numéro de téléphone spécial, un 3919, un numéro qui fonctionne 7 jours sur 7, c'est un numéro de signalement. Oui, donc c'est une plateforme d'écoute téléphonique qui est nationale, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui permet à toute femme victime de violence de téléphoner, d'être prise en charge par une écoutante qui va ensuite la réorienter vers une association ou les associations locales d'aide aux victimes. Un numéro de signalement hein, qui n'est pas un numéro d'urgence. En cas de situation d'urgence, évidemment, ce sont les forces de l'ordre qu'il faut appeler. Oui. Il y a également une plateforme qui est en place, une plateforme sur Internet. Oui, depuis l'année dernière, une plateforme de signalement en ligne donc, qui permet à tout à chacun de se connecter. Donc, c'est sur le site servicepublic.fr et de chatter avec des personnels, des forces de l'ordre qui sont formés et qui vont amener la personne à dire ce qu'elle vit, l'aider peut-être aussi à aller vers la plainte ou l'orienter vers aussi des associations d'aide aux victimes. Et sur le numéro de téléphone comme sur la plateforme, on n'est pas obligé de donner son identité. On le disait, c'est souvent difficile de parler. C'est aussi difficile de quitter son hébergement, de devoir quitter son hébergement. Vous évoquiez les dispositifs d'hébergement d'urgence. Oui, donc en Isère, nous avons la chance d'avoir un nombre de places d'hébergement d'urgence qui est de 197 places. Donc moi, ça fait la troisième année que je suis sur ces missions. Donc depuis que je suis là, il y a eu la création de 97 places supplémentaires en deux ans. Donc la DDCS qui gère les dispositifs d'hébergement d'urgence, le financement de l'hébergement d'urgence, essaye bien sûr de créer tous les ans des places supplémentaires pour les femmes victimes de violences. Il y a également, donc ces places existent mais ne sont souvent pas suffisantes hein, pour gérer tous les problèmes. Donc il y a aussi des communes qui mettent à disposition des logements pour les femmes victimes de violences sur leur territoire. Donc il y a aussi une politique pénale, donc on a les procureurs de la République qui de plus en plus mettent en place le système d'éviction du conjoint violent, donc obligeant l'auteur à quitter son domicile et ce qui permet à la femme et aux enfants, quand il y en a, et si elle le souhaite, de rester à son domicile. J'aimerais qu'on évoque, pour conclure, les inégalités hommes-femmes. On en parle de plus en plus. Dans quel domaine est-ce qu'elles interviennent? On parle souvent de l'inégalité au travail. Oui, donc les deux gros pans d'inégalité, effectivement, c'est les inégalités professionnelles et puis les violences, hein, donc qui sont aussi des inégalités. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'interviens à la fois dans le champ de la culture, du sport, et c'est vrai qu'on se rend compte que dans ces domaines, il y a aussi beaucoup d'inégalités, d'inégalités professionnelles, d'inégalités dans l'accès à des postes supérieurs. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en matière d'égalité professionnelle,
d'entrepreneuriat féminin, de mixité des métiers, donner envie aux jeunes d'aller vers des métiers qui sont forcément connotés masculins. On travaille aussi dans tous ces domaines-là. Changement des mentalités, c'est essentiellement ça d'ailleurs votre mission. Oui, changer les mentalités dès le plus jeune âge. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en novembre 2017, lorsqu'il a lancé Grande Cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes, a dit qu'il fallait dès le plus jeune âge, donc dès la crèche, se saisir du problème de la lutte contre les stéréotypes de sexe. Isabelle Jaillet-Deton, merci d'avoir été avec nous. Vous restez pour le journal. Une visite ministérielle sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Frédéric Vidal, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, est venu lancer le Deep Tech Tour des campus. Il est destiné à mieux connecter les acteurs de l'écosystème des innovations de rupture, les chercheurs, les financeurs, les start-up. Et pour la ministre, lancer cette initiative ici à Grenoble, c'était une évidence. C'était une bonne idée de proposer à la BPI de commencer ce Deep Tech Tour à Grenoble. Puisqu'on sait qu'ici, avec cette très longue tradition de coopération entre les organismes de recherche, les universités, l'écosystème start-up, Grenoble et sa vallée, c'est notre petite Silicon Valley à nous. Je crois qu'il faut être bien conscient que l'insertion professionnelle, ça passe par les liens entre l'université et les futurs employeurs d'une partie des étudiants à l'université. Et puis le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier que toute la recherche qui se fait dans des structures publiques en France, c'est une recherche qui est financée par l'ensemble de la société française. Et donc, comme je le dis souvent, la façon de rendre à la société cette liberté qu'elle nous donne de pratiquer notre recherche, eh bien, c'est bien sûr d'éduquer la jeunesse de notre pays, mais c'est aussi de faire en sorte que, par du transfert de connaissances, par du transfert de technologies, par de l'innovation, eh bien, il y ait du développement économique dans notre pays. Et ce Deep Tech Tour débuté à Grenoble prévoit une vingtaine d'étapes d'ici la fin de l'année. Et puis au début du mois de septembre, c'est la ministre des Armées qui a été accueillie en Isère. Florence Parly est venue faire la rentrée scolaire à l'école des Pupilles de l'Air à Montbonneau. L'établissement a été créé en 1941 pour venir en aide aux familles de l'aéronautique, militaire et civile. Il est aujourd'hui ouvert à tous les élèves, de la 6e aux classes préparatoires. L'EPA accueille plus de 700 élèves. Dans le Nord-Isère, une nouvelle campagne d'information autour de la centrale de Saint-Alban-Saint-Maurice-l'Exil. Sur 89 communes et pour 260 000 personnes, le plan particulier d'intervention a été élargi. Il s'agit de mieux préparer la population à réagir en cas d'alerte nucléaire. Des distributions préventives de comprimés d'iode ont été organisées. Cette campagne vise aussi plus généralement à développer une culture de la radioprotection chez les citoyens. Sentez encore de plus en plus de méfiance vis-à-vis des vaccins dans notre pays, qui est pourtant la patrie du pionnier Louis Pasteur. Toutefois, depuis les 11 vaccins obligatoires, depuis janvier 2018, la vaccination chez les nourrissons a progressé. Chaque jour, nous pouvons être en contact avec des bactéries et des virus très contagieux, pouvant entraîner atteinte cérébrale, surdité, complications pulmonaires, paralysie. Heureusement, nous sommes protégés sans même nous en rendre compte, puisque nous sommes vaccinés. Contre de nombreuses maladies graves, la meilleure protection, c'est la vaccination. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a ainsi voulu, avec ce clip, adresser un message non culpabilisant aux parents d'enfants de moins de 6 ans, mais aussi aux jeunes adultes. On retient également dans l'actualité la cité éducative Grenoble et Chirolles, labellisée par le gouvernement. Ce dispositif fait partie des préconisations du rapport sur les banlieues. Il vise à améliorer la réussite à l'école et à éviter les décrochages en travaillant sur une meilleure complémentarité des actions à la fois dans et hors de l'école pour les jeunes de 3 à 25 ans. Et dans notre agglomération sont concernés Villeneuve Village Olympique à Grenoble, Essart et Surieux à Échirolles. Au total, 3 collèges et 22 écoles, soit 5400 élèves. Isabelle Jaillet-Deton, merci encore d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 83 de Citoyens Mag, les acteurs de l'État à votre service.